Eh bien bonjour, je suis Frédéric Boran et dans cette vidéo, on va parler des interactions qu'il y a entre les opérations du MCT ou du MOT avec les différentes tables de la base de données. Alors là, je vous présente en fait un schéma qui a été fait par un collègue d'Orléans, qui est plutôt pas mal et très complet, qui va beaucoup plus loin en fait que ce que je vous ai fait moi. Ça veut dire également qu'il n'y a pas vraiment de normalisation, c'est-à-dire qu'il y a des petites variantes. C'est-à-dire que si vous tombez sur un sujet où vous avez ces variantes-là, ben, faut pas être surpris, mais globalement, si vous voulez, naturellement, on va retrouver tout ce qui est dans le cours. Donc ici, sur la partie gauche, ben, vous avez la même représentation du MCT que ben, des opérations que vous connaissez, les événements qui sont internes, les événements temporels, une synchronisation, le nom de l'opération. Ici, il n'a pas représenté les actions, les règles d'émission avec des événements résultants ou déclenché. Ce qui est intéressant ici, évidemment, dans le A, c'est cette partie de droite. Alors, vous avez toujours la même représentation, à savoir les objets, donc c'est les événements, les éléments dans les tables, ça, avec un nom, donc ici objet 1, objet 2, objet 3, objet 4, et un passage d'un état à un autre, éventuellement. Alors, pourquoi éventuellement? Ici, quand vous avez une flèche qui part de l'opération jusqu'à l'objet, c'est quelque chose, c'est une création ou une écriture. Donc, l'objet n'existait pas et va se trouver dans un certain état. D'accord? Ou alors, on n'a pas précisé l'état précédent, mais on va préciser l'état final. Quand vous avez une flèche qui va de l'objet à l'opération, c'est une lecture. Ça, vous interrogez une table, par exemple, vous allez chercher une info dans une table. Hein? Donc, ça veut dire, bah, vous allez récupérer des infos dans une table. Quand vous avez un trait comme ça avec une croix, c'est une suppression. Donc, soit imaginons ici, en fait, bah, vous allez supprimer des objets dans une table. Éventuellement, je dis bien éventuellement, on peut préciser l'état si on le connaît. Donc, par exemple, toutes les factures qui datent d'avant 2012, par exemple. Mais ici, dans l'état, on mettra avant 2012. Et donc, on va supprimer toutes les lignes avec une date avant 2012. Quelque chose d'un peu compliqué qu'il a fait ici, que moi je n'ai pas fait, mais qui peuvent être faits, hein, c'est pas du tout, c'est pas faux du tout, quand vous avez des mises à jour. Donc la mise à jour, c'est une double flèche. Donc une flèche qui part et qui arrive de l'opération. Vous allez préciser l'état avant et les états après. Donc ici, vous avez une représentation qui est hyper complète. Par exemple, vous allez mettre à jour les restaurants en 3 étoiles et vous allez les transformer en 4 étoiles. Bah, l'état avant, ça sera 3. Puis l'état après, ici, il n'y en aura qu'un, ça sera l'état 4. Éventuellement, bah, on peut passer de 3 à 4 ou de 3 à 5 sous certaines règles. Bah, là, vous aurez 3, puis la 4, l'état 5. Voilà, donc ça, c'est assez compliqué. Hein, sa représentation, elle est assez compliquée, mais elle a le mérite d'être complète. Donc si un jour vous tombez dessus, ne soyez pas surpris d'avoir ça. C'est les différents états après possibles avec des règles qu'on n'a pas précisées. Donc voilà, moi j'ai fait beaucoup plus simple dans mon cours. Soit vous mettez simplement une ligne pour expliquer ce qui est fait, soit un état avant, un état après, comme ce qui est fait là en fait. Hein. État avant, état après. Mais ici, voilà, vous avez toute la représentation. Ce qu'il faut retenir, c'est le sens des flèches. Quand vous allez de l'opération à l'objet, c'est une création. Quand vous allez de l'objet à l'opération, c'est une lecture. Une double flèche est une mise à jour. Un trait avec une croix, c'est une suppression. Et vous avez toujours l'état avant, l'état après. Quand c'est une création, bah vous précisez que l'état après, si besoin, si nécessaire. La suppression, éventuellement, vous allez préciser qu'est-ce qui est supprimé, donc l'état avant. Et pour la modification, si vous les connaissez, on précisera l'état avant et l'état après la mise à jour. Voilà. Donc là, on a fait le tour sur la partie analytique du MCT et du MOT. Donc je vous invite à vous abonner à ma chaîne et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci.